Monsieur le curé, comment allez-vous? François, mon ami, je suis heureux de vous revoir. Et moi donc. Mais entrez donc, mes chers amis, dans cet humble presbytère béni de Dieu. Nous ferons les présentations à l'intérieur. J'ai eu très peu de vos nouvelles, François, depuis 3 semaines. Comment allez-vous? Assez bien, mon père, assez bien. La santé de ma mère me préoccupe un peu, comme d'habitude. Toujours son cœur? Effectivement. Vous savez qu'elle est dans mes prières quotidiennes. Merci. François, en habitué de nos rencontres et des lieux, vous plairait-il de nous faire les présentations? Certainement. Il me fait grand plaisir de vous présenter deux de mes collègues séminaristes qui s'impatientaient de rencontrer l'homme le plus respecté de ce si beau village, Monsieur le curé Claude-Gabriel Courtin. Voici Napoléon Marchand, fils d'Eugène. Mes hommages, mon père. Et Pierre-Henri Leclerc, fils de Baptiste. Mes vénérés hommages, mon père. Soyez les bienvenus, monsieur. Prenez place et discutons. Et s'il vous convient, nous pourrions discuter tout en buvant une tisane de bois dont ma mère a le secret et dont elle vous fait don de quelques onces. Comme c'est gentil de sa part. Je reconnais là la générosité de madame votre mère. Je dirai à Antonine, ma servante, de nous en préparer 4 tasses. Alors, messieurs, vous êtes en congé pour la semaine à Gentilly. Vous faites tous votre cours classique au séminaire de Nicolet. Effectivement. Un congé bien mérité. Nous étudions tous à Nicolette, oui. Et personnellement, c'est ma toute première visite à Gentilly. Tiens donc, vous n'avez aucune parenté ici? Aucune. Baptiste Leclerc est le nom de votre père. Il est vrai que la branche des Leclerc se situe particulièrement à Nicolet. Et je suppose que vous logez tous à l'enseigne de l'auberge Boisvert. Madame Boisvert vous a-t-elle servi pour souper son fameux ragoût de légumes? Vous connaissez plutôt bien vos paroissiens? J'y vais souvent dîner. Et savez-vous que je suis le curé de cette paroisse depuis 28 ans? Je sais tout, ou presque. Et je ne répète rien, ou presque. Vous y serez bien logé, n'ayez crainte. Toutefois, à l'étage, nous avons quelques chambres disponibles pour les invités ou les gueux qui n'ont nulle part où aller. S'il advenait que vous vouliez dormir ici un de ces soirs cette semaine, ça ne causerait aucun problème. Ce presbytère est parfois bien vaste pour 2 seuls habitants. Votre servante habite ici? Oh que non! Elle est mariée et mère de famille. Quand je dis 2 habitants, je fais référence à moi et mon fidèle bras droit, Augustin. Sacristain à Gentilly depuis toujours. Il travaillait et logeait ici déjà avant même mon arrivée. Un vieux garçon, tout ce qu'il y a de plus loyal et discret. En parlant du loup, Augustin, notre visite est arrivée. Ah. À mon tour, mes jeunes amis, de vous présenter à mes fidèles employés. Voici Augustin, sacristain à Gentilly depuis toujours, mon ami alter ego. Et voici Antonine, ma servante, et sa fille unique, Constance, venue appuyer sa mère dans ses tâches ménagères. Je crois que vous connaissez déjà tout ce beau monde, François. En effet. Je suis content de vous revoir, Monsieur François. C'est réciproque, Monsieur Augustin. Faites la connaissance des 2 autres jeunes hommes qui, je l'espère, embrasseront la vocation de prêtrise d'ici quelques mois ou années, si Dieu le veut, naturellement. Monsieur Pierre-Henri et Napoléon. Mes respects. Mes respects. Tant de gens si précieux à mon estime, tous réunis sous le toit de ce presbytère. Savez-vous que cela me remplit de joie? Et me laisse penser que nous passerons une belle soirée, et même une belle semaine, si tant que vous vouliez repasser, me visiter à bon loisir. Antonine,
Auriez-vous l'obligeance de nous préparer 4 tasses de cette tisane généreusement offerte par la mère de François? Oui, monsieur le curé. Les chambres à l'étage sont prêtes, monseigneur. J'y ai allumé les lampes. Maintenant, vous m'excuserez, une dernière besogne m'attend dans la cour arrière. Merci, Augustin. De rien, monseigneur. Un brave homme, cet Augustin, mais qui a développé le défaut il y a plusieurs années, et pour une raison qui m'échappe encore, de m'attribuer le titre de monseigneur. J'ai beau lui faire le reproche, lui dire que je me contente très bien de celui de curé, rien n'y fait. Monseigneur ici, monseigneur là. En passant, vous avez les salutations de Nicolette, notre bon évêque. Oh! Comment va-t-il? Je le côtoie chaque jour, bon pied, bon oeil, et sa dévotion est toujours de marbre. Un exemple pour nous tous, séminaristes, qui, parfois, doutons de notre future vocation. En effet, Dieu Tout-Puissant ne pourrait compter sur meilleur ecclésiastique pour notre comté. C'est un homme de foi dont j'admire grandement. Mais dites-moi, vous dites parfois douter de votre future vocation d'homme de foi? Je serais malhonnête de dire le contraire. Ne soyez pas mal à l'aise, mon ami. Nous passons tous par des moments de doute, c'est normal. J'en ai éprouvé moi-même quantité à votre âge. Et une fois ordonné aussi. Pour ma part, je suis totalement convaincu du fondé de ma foi. Tiens donc, vraiment? Merci. Messieurs, goûtons. Que dis-je? Savourons cette tisane à loisir. Et reparlez-moi de cette foi inébranlable qui semble vous animer. Mais j'y pense. Suis-je bête? Cela fait déjà des heures que nous parlons politique, foi, des Anglais, des Français, du Bas-Canada. Pourtant, rien de tout cela n'égale le plaisir ressenti à fumer une bonne pipe du tabac que je cultive moi-même avec dévotion dans le jardin de notre cour arrière. Vous plairait-il d'en humer le parfum? Bonne idée. Ça me plairait assez de goûter à du tabac purement gentillois. Pour ma part, je ne fume pas, mais si cette tentation n'entraîne pas une autre, je veux bien en tirer quelques bouffées. Tentation? Mais qui parle de tentation, cher ami? Parlons plutôt de ces petits plaisirs de la vie que notre bon Seigneur nous parsème parfois le long de notre route ici-bas. En ce qui me concerne, je préfère humer l'air vivifiant de la campagne qui me manque parfois si cruellement en ville. Si vous voulez bien excuser mon absence quelques minutes. Faites, mon bon ami, faites! Ce faisant, fermez donc la porte derrière vous. La soirée se rafraîchit. Bonsoir. Mes hommages. Aimeriez-vous me tenir compagnie quelques instants?
Merci de l'invitation. Alors, comment se porte Madame votre mère? Ma mère? Oh, comme d'habitude. Un jour bien, un jour mal. Je l'attends justement. Elle ne devrait pas tarder. Vous travaillez tard? Et, comment se porte monsieur votre père? Dites-moi, François, sommes-nous ici pour parler de la santé de nos proches? Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous avons peu de temps et que nous nous réunissons, vous et moi, depuis quelque temps sur cette galerie ou ailleurs et... J'attends toujours que vous vous lanciez. Quoi? On parle de nous deux dans le village. Parfois, les nouvelles vont vite et, pour être franche, je crois que je ne vous suis pas indifférent. Vous êtes d'une insolence, jeune fille. Peut-être. Mais vous ne sentez pas que j'éprouve aussi quelques sentiments à votre égard? Pouvez-vous imaginer le tourment qui hante mon esprit depuis que nous nous connaissons? À votre vue, mon cœur tressaille, se chamboule, et je deviens, comment dire, si différent. Et vous êtes si jolie. Mais comment conjuguer cette attirance avec la foi véritable que j'éprouve pour Dieu? Peut-être que vous n'êtes pas fait pour le sacerdoce. C'est la question qui me hante depuis le début de mon séminariat. Je reviens dans un instant. Je vais nous refaire le plein de tisane. Merci. Pourriez-vous nous resservir de la tisane, Antonine? Et par la même occasion, me dire d'où vous tenez cet air encore plus renfrogné que d'habitude. Antonine, il y a longtemps que nous nous connaissons, vous et moi. Alors, parlons franchement. Vous savez, je n'ai jamais pressenti François comme un éventuel aspirant pour notre bon clergé. Ces choses-là se sentent. Surtout au vu du nombre de séminaristes que j'ai pris sur mon aile. Dès les premiers instants, j'étais aussi peu sûr du bien fondé de la future vocation de François qu'il ne peut l'être lui-même aujourd'hui. Tous ne peuvent devenir prêtres. Cependant, c'est un jeune homme droit et brillant. Je le considère grandement et sa compagnie m'est fort agréable. Nous savons, vous et moi, ce sera une perte pour notre communauté ecclésiastique. Mais ne nous leurrons pas pour autant. C'est Dieu même qui réunit François et Constance, en ce moment même sur la galerie de ce presbytère. Et devant cet état de fait, nous allons certainement nous incliner. Oui, monsieur le curé. Le cœur d'une mère connaît des joies et des revers. Qu'aucun homme au monde ne pourra imaginer la portée. Toutefois, ce cœur de mère aimante, peut-il quelque chose contre l'amour qui naît entre deux jeunes tourtereaux, alors que c'est Dieu même qui y pourvoit? Si Dieu le veut, vous y gagnerez peut-être un gendre fort respectable. Bon, allez, tout s'arrangera pour le mieux. Maintenant, faites-moi plaisir. Rentrez chez vous. Vous et Constance, il est tard et vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Mais les invités? Je m'en occupe. Si j'ai besoin demain, je vous ferai demander. Merci. C'est maintenant vous qui faites preuve d'insolence, jeune homme. Vous resterez à dormir?
Augustin a préparé des chambres à l'étage dans cette éventualité. Votre hospitalité nous fait chaud au cœur. Seulement, nos chambres sont déjà retenues à l'auberge. Et puis, une petite marche pour se rendre nous fera que du bien. À condition que nous puissions nous emprunter une lampe. Bien sûr. Cependant, soyez sur vos gardes. La saison des loups-garous est commencée. Pardon? Tout le monde le sait. Les loups-garous de Gentilly sont les plus voraces de la région. Ah, j'ai eu vent de cette rumeur. À bientôt, mon père. Messieurs, au plaisir de vous revoir. Dieu vous garde. Mes salutations à votre époux. Vous êtes prête, mère? Mes hommages, madame.